Bonjour tout le monde, désolé, bienvenue dans ce nouveau numéro du vlog de Dr Hyper sur sa propre chaîne. Et aujourd'hui, vu que c'est bientôt Noël, j'avais envie de vous faire un cadeau. Hein. Un cadeau, voire deux en fait, parce que bon, c'est... c'est un truc que j'ai... Je savais, je connaissais de réputation, mais j'ai totalement découvert en fait ça il n'y a pas très longtemps. En fait, ces deux cadeaux, je ne vais pas vous faire attendre beaucoup trop longtemps. Eh bien, il s'agit de jeux érotico-porno sur Steam. Eh oui, il y en a, ça arrive. Alors, ils ne sont pas directement mis sur la page de Steam. Hein. Ils sont juste là en version tout public et on peut débloquer, moyennant un patch malicieux, le contenu pornographique. Et pour ce faire, c'est pas bien compliqué, il suffit d'aller sur les sites des éditeurs. Ah, ils sont gentils. Ou alors, eux-mêmes font des tutoriels sur les pages Steam de leurs jeux. Là, par exemple, Winget Cloud, qui est un éditeur de jeux érotiques sur Steam, parce que maintenant, on va parler carrément de jeux érotiques, on va arrêter de se voiler la face, c'est pas du visual novel tout public. Et voyez, le Sakura Fantasy Hentai Patch. Et quand je dis la page officielle, non, c'est la page Patreon. Patreon qui est un truc, une plateforme pour encourager l'éditeur à lui donner de l'argent tous les mois gratuitement, comme ça, déjà qu'il ne s'en fait pas suffisamment avec les jeux qu'il vend, on ne sait jamais hein, qu'il soit en manque d'argent de poche. Ceci étant, ça reste quand même super sympa de nous fournir des nude patch pour leurs jeux, parce qu'en plus, pour en avoir essayé un tout à l'heure, hein, parce que bon, moi aussi je m'achète des visual novels, alors j'y joue pas trop, c'est plus trop ma cam, mais j'aime toujours autant le principe. Et j'aime l'univers graphique de ces jeux. Excusez-moi. Et quand je parle d'univers graphique, c'est ça, quoi. C'est le design, c'est les personnages. Enfin bon, il y a tout ce qu'il faut. Puis un peu de cul aussi, hein. Pourquoi pas. Hein. Enfin bon, ça... On ne crache jamais dessus. Et je pense que vous entendez ma souris qui meurt aussi. Mais bon, cela n'est pas le propos. On va continuer sur le propos, donc... Winget Cloud qui ont édité pas mal de jeux, hein, comme Sakura Swim Club, celui que j'ai essayé tout à l'heure, et franchement les scènes de cul sont... Ouais. Enfin bon, c'est... not safe for work, hein, donc je ne vous en mettrai pas ici, il n'y a pas vraiment possibilité de... de mettre ça sur YouTube tranquillement sans faire de censure, donc c'est inutile. Mais, si vous avez les jeux, je vous encourage à prendre le patch, hein, et surtout si vous avez 18 ans révolus, hein, parce que... On est dans du porno. On n'est pas dans du simple, érotique, mignon, voit la petite culotte. Alors, qui y a d'autres parmi ceux que je connais? Il y a celui-là aussi, qui devient carrément un jeu porno aussi. C'est le If My Heart Had Wings. Ah, fou, j'espère que vous aimez bien mon accent, parce que moi, je le trouve magnifique. Et c'est un jeu qui était aussi sorti sur PC et sur téléphone portable. Alors, la version Android, hein, ne vous inquiétez pas, c'est complètement censuré. Mais sur PC, si vous avez le jeu, patchez-le. Patchez-le. Et le troisième, qui n'est pas des moindres, vu que c'est un jeu qui est relativement connu sur YouTube, je vous en ferai d'ailleurs une petite vidéo de la version même non censurée, parce que bon, la version non censurée... ouais, enfin... Ça casse pas trois pattes à un canard. Mais le jeu est excellent. Le jeu est franchement bien foutu. Enfin, ça ressemble à un jeu Facebook. Alors. Je me rappelle plus comment ça s'appelle ce style de jeu. Ah, c'est un truc avec Saga dedans. Il y a des bonbons, tout ça. C'est un jeu King. Enfin bon, vous retrouverez le nom. C'est un jeu que tout le monde connaît. Le principe est excellent. Et ajoutez-y une touche de visual novel et un tout petit peu de cul. Et tout d'un coup, l'intérêt est renouvelé. Enfin bref, j'en dis pas plus. Pour ce Noël, prenez des jeux porno sur Steam. Et juste un dernier conseil, si vous faites des captures d'écran, ne plaudez pas la capture d'écran sur vos comptes Steam, vous risqueriez de vous faire bloquer, bande de bananes. Bon, allez hop, quoi qu'il en soit, je vais vous laisser. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée et de très bonnes fêtes de Noël. Et un nouvel an, hein, si je vous revois pas d'ici là. Allez hop. Des bisous, je vous aime tous, faites-y les fous, jouez à des jeux de cul, et pour une fois, bon FAP! Allez, tchuss!